Et bien salut à tous, c'est Apex Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur GTA V All-In en 1.42 pour vous présenter la nouvelle activité Passe d'armes V. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Passe d'armes en fait, avant c'était en terrestre mais maintenant c'est en aérien. Et en terrestre en fait on avait plusieurs armes, quand on faisait des kills on changeait d'arme. Donc par exemple on avait le bazooka et quand on fait un certain nombre de kills avec, ben on passe au minigun par exemple. Sauf que là ça va être des avions. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ah oui. Merci à Devka aussi, une dédicace à toi. Merci pour me faire découvrir l'application que j'utilise maintenant, Char Factory. Pour mes vidéos, la qualité elle est nettement meilleure. Donc merci à toi, ta chaîne et ta description. Et ta chaîne et... en fin de vidéo et en description, merci à toi vraiment du fond du cœur. Et n'hésitez pas à vous abonner à Dovka, il fait du très bon contenu en plus. Donc voilà, on va revenir à nos moutons. Donc je suis avec un hydra violet, donc vous voyez la petite barre, faut la remplir. Et quand on la remplit, ben on change d'avion. Donc voilà, et on a 10 minutes. Ok, bon, j'en ai déjà fait un. Donc prenez les munitions explosives au milieu des missiles. C'est plus facile. Vous croyez que c'est plus compliqué, mais c'est plus facile largement. Vous verrez pourquoi. Par contre, GTA, ça part carrément en Star Wars, quoi. Limite, je suis Darth Vader qui conduit un Hydra. Bon. Bref, sinon, on revient à nos moutons, encore une fois. Aussi, merci à Nono GTA, qui fait tout simplement des bonnes vidéos de qualité. Franchement, je les apprécie et tout. À chaque fois, je regarde toute cette vidéo. Donc, je vous les conseille. Sa chaîne en fin de vidéo et en description. Dès que j'ai le temps. Pareil pour toi, Dovka. Donc, voilà. Il fait du très bon contenu. Il fait des astuces. Il présente des concepts de DLC. Voilà. Donc, franchement, il y a un peu de tout. Et je sais que vous aimez ça. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Dovka et Nono GTA. Donc, voilà. Ok, bon, on va revenir à la porte. Wow. Bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il y a eu un petit missile qui était derrière moi. Il a fait coucou. Bon. Alors. Donc là, c'est un peu chaud avec les avions comme ça, le Rogue. Parce que c'est un avion hélice. Eux, ils sont un avion de chasse, donc ils vont 10 fois plus vite. À part quand ils accélèrent pas, comme lui, là, devant moi. Ah. Ah, il va suicider, je crois. Ah non. Non, non, non. Non, il s'est rattrapé. Ah non, ah. Non, oh my god, il s'est suicidé. Bah voilà. Franchement, les gens, ils ont eu leur permis dans un Kinder Surprise, quoi. C'est pas possible. Bon, comme il n'y a pas de permis sur GTA, on va les épargner. Voilà, on les épargne, on n'en parle plus. Alors, par contre, si je serais en mode online, là, je me serais fait 10 fois des gommes par les missiles de la base nucléaire. La base militaire, qu'est-ce que je dis, moi? Alors, je suis où là? Parce que attendez, je me suis perdu. Ok, bon, on y va. Ah, il y en a un, c'est... Ah non, ah, il s'est fait tuer par mon coéquipier. Bon, ok. Waouh. En tout cas, le Rogue, on peut appuyer sur flèche de droite pour lancer un espèce de truc qui écarte les missiles. En gros, ça nous tue pas, quoi. C'est une sorte de bouclier. Donc voilà, on est où? On est où? Waouh. Oh, faut que je me mange à la colline. Ok, il y a le soleil. Bon, les jolis le soleil. Hein. Wow. Mais lui, il arrive devant moi comme si de rien n'était, quoi. Bon, je parle aussi de trucs pendant que je suis à la guerre, quoi. Mais c'est pas grave. Ok, bon, il me dit pas qu'il va se manger la montagne. Oh là là, mais non, mais c'est pas possible. Donc vous voyez là sur la carte, en jaune, il y a une zone. Et si on la dépasse, ben, on meurt. Ben, quelques secondes, on meurt. Par exemple 20 secondes tu meurs et tu fais perdre à ton équipe des points. Bon, les points c'est quand qu'on augmente pour changer d'arme, donc d'avion là. Donc voilà, par contre s'il y en a encore un qui suicide, je pleure, je pleure. Je pleure s'il y en a un qui suicide, parce que moi j'ai pour 6 vies et 6 suicides quand même. Oh, les nuages des Simpsons. Ah, les nuages des Simpsons. Waouh, mais c'est vraiment les nuages des Simpsons, c'est ça le pire. Waouh. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous mets un screen à l'écran, mais tout le monde devrait connaître les Simpsons. Donc voilà. Dédicace à toi, Homer.
Oh, j'ai explosé par contre lui. C'est pas parce qu'il y a des nuages des Simpsons que je vais la couler douce. Oui, il y a la lune. What? Il y a la lune. J'ai vu la lune, je crois. J'ai dû rêver. Non, il y a vraiment la lune. Je viens de la voir là. Il y a le soleil et la lune. What? Attendez. Mais what? Il y a deux lunes ou... Bon. Rockstar. Vous savez qu'est-ce qu'il faut rajouter pour le prochain DLC? Oh, retirer une lune. Bon, bref. Ok, bon, ceci dit, je vais pleurer là. Je vais pleurer, je vous le dis. Wow, 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 wow. J'allais manger la montagne. Ça s'est joué à peu. À peu. Tout simplement. Alors. Ah, je pense qu'il va se faire. Non, 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 non. Il va pas se faire tuer, je pense. Ah non, il esquive pas. Bah, c'est bon. C'est fini pour lui. Il esquive pas. Bah, il meurt, hein, tout simplement. Alors, on en est où? Ok, bon, je suis perdu parce qu'avec le montagne, franchement, wow. Ok, bon, j'en ai eu un, je sais pas comment j'ai fait. Ok, j'en ai encore eu un, je sais pas comment j'ai fait. En fait, je tire au pif, là. Alors, bon, j'utilise pas les mitraillettes parce qu'ils s'explosent pas, donc ça sert à rien, mais faut utiliser les missiles. Mais eux, du coup, ils sont désavantagés parce que eux, ils ont des avions à hélice. Nous on a des avions de chasse quoi. Ouais. Wow. Donc soutien eux. Alors. Wow. Genre wow. C'est carrément écrit atomisé. Pas mal. Pas mal. Ok, il reste plus que 4 minutes. Je pense que ça va jouer à la fin du temps. Que c'est dur. Je pense qu'à Rockstar ils l'ont fait exprès. C'est pour ça qu'on peut pas changer le temps. C'est vraiment stylé, hein. J'adore le concept, il est pas mal. Franchement, je sais pas comment Rockstar ils ont imaginé ça, mais en tout cas, il est vraiment stylé l'activité. Hein. Il y a rien à dire, il y a rien à dire, rien du tout, rien. À part qu'elle est bien. Après, chacun ses goûts, c'est logique. Il y en a, ils préfèrent sur Terre, il y en a qui préfèrent aérien, maritime. Il y en a qui préfèrent des animaux, d'autres préfèrent des monstres. Bon, c'est pas... C'est quoi le rapport? Donc dites-le moi. Bon, bref. Donc voilà, je viens de lancer des paillettes parce que sinon j'allais me faire tuer. Ok, j'ai la couleur. Bon, il est vraiment stylé. En mode ligne, je vous le conseille. Déjà, elle a une bonne gueule. Et vous pouvez activer le mode furtif. Et là, je vous dis, vous êtes invisible infiniment sur le radar. Vous êtes tranquille. Quand vous avez une prime, vous êtes tranquille. C'est un hélico de rêve, quoi. Il est vraiment magnifique. Si Rockstar peut faire mieux, j'attends de voir. Bon, bien sûr, ça partira un peu en steak, hein. Ok, bon. Alors. Ah ouais, du coup, ils sont en avion, là. Je pense que je vais me faire tuer, là. Je sens mal. Un buzzard. Parce que la couleur, en deux roquettes, il est mort. Mais là, le buzzard, c'est une roquette. Ah ouais, là, je vois tout le monde. Oh non, non. Bah, je m'en doutais, je vois que des kills par les oranges quoi. C'est les oranges qui gouvernent. Bon allez, on repart avec les missiles hein, parce que partir avec les mitraillettes, celui qui réussit à tuer un gars avec les mitraillettes, que ça soit un avion de chasse ou un avion ou un Akula, bah franchement je lui dis GG quoi. GG tout simplement, à moins qu'il l'a fait exprès bien sûr. Oh là là, mais c'est pas possible. Banquin. Ah, merci Bonkin de me tuer et de me focus, ça me fait vraiment plaisir. Bon, allez, bon, c'est un jeu, hein. Attends, vous inquiétez pas, c'est un jeu, on est là pour rigoler, on n'est pas là pour cracher sur la gueule des autres. Je sens que je vais me faire encore tuer. Ah, oh là là, oh ouais, là c'est en avion de ça, c'est encore plus chaud là. Reste 1 minute 47, tout pas encore joué. Car avec un buzzard, je vous le dis, il faut le faire pour abattre des avions de chasse. Wow, 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 wow. Par contre, pour esquiver, c'est un peu plus facile. Mais je vous dis, c'est hard, hard, hardcore. Hein. Ok, bon. Alors, wow. Wow, mais punaise, mais punaise. Ils ont vraiment eu leur permis dans Kinder Surprise. Wow, mais... Non, mais... Le mec, il fonce sur moi, carrément. Il est fou, ce gars. Là, là, là. Et qu'est-ce qui va m'arriver ensuite, sérieux? Oh, putain. C'est ça qui allait m'arriver. Il y a un screamer qui m'a foncé dessus là. J'ai eu peur et j'ai eu peur et franchement j'ai eu peur. Je me suis tourné. Là je vois un avion
qui atterrit sur mon écho presque. Oh, il y a un Akula là, il y a un Akula. Allez, on va essayer de le tuer. Ok, mais il faut que j'esquive aussi les balles adverses. Ok, j'ai eu. Ah, le jetpack. Moi d'ailleurs, pendant 4 ans on en parle. Puis dès qu'il sort, on n'en parle plus. En gros, c'est bon, c'est fini. Comme ça, en 2 secondes, pas d'explication. Le jetpack, en fait, il est pourri, quoi. Voilà la réaction des joueurs. En tout cas, c'est vraiment stylé qu'ils ont mis le jetpack dans l'activité. Ok, il reste plus que 24 secondes. Est-ce que je vais arriver à tuer quelqu'un en 24 secondes? Ah, là, tout peut jouer. Là, tout peut jouer. S'ils arrivent à faire 2-3 kills, ils me rattrapent. Ex aequo, voilà. Que tu as un kill avant. Ah non, ah non, 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 non. Ah, il s'esquive. Hein. Ah, ils m'ont eu. Bon, vous verrez que j'ai gagné 26 000. C'est une très bonne activité. Sur ce, je vous dis bonne vidéo. Allez, ciao, ciao.